Il y a combien de Morocs qui sont déjà là? Bon, ok. C'est bon, c'est bon. Laissez à lancer. Ils sont pas encore arrivés d'abord. Clémence, ça monte, chape, chape. C'est bon? On est pas là. Ah, je vais lancer, ça va comme ça. Voilà, je lance maintenant. Dos. Je vois le poids. On va activer la balle dessus. Lance aussi, lance comme ça, il va attraper. Donc, on va y attraper. Tiens, lance dessus. Ça fait deux, voilà. Robert, attends, tu as plus Paul, attends, laisse-moi te dire. Alors, mesdames et messieurs. Non, laisse Dos. Dos. Ça va? Ça va. D'accord. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comme vous constatez, ici là, nous sommes à Château Rouge. Jamais. Château Rouge, et si vous avez bien remarqué, vous voyez, ce sont nos célébrités, ça. Moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Pour les présenter individuellement. Ici, rien. Ici, vous avez le pape. El pape. Jessica. Sadjazal, non? Sadjazal. Le pape. Demain, ils vont rentrer au château pour la télé-réalité. Aujourd'hui, on vient de finir un premier tournage. Et demain, à partir de demain, tous vont rentrer au château. Après le pape. Vous avez le grand Pobli, le grand Pobli depuis les États-Unis. Il est arrivé, il est parmi nous. Vous avez Franck Bimbi, vous avez soulevé de Paris, Franck Bimbi, le P52. Voilà, celui avec qui casse tous les chapeaux. Tu l'assois. Voilà. Vous avez Mondial. Toujours. Mondial. La vie, c'est qu'il va se lever. Il est fort. Vous avez le preuve. Il a vu le petit modèle. Adama. Ah, il a vu le petit modèle. Il se cache. Ici, vous avez le petit Adjoukrou. Le petit Adjoukrou. Lui, c'est Okosisi Baba Nicolo. Et tu es un peu, et lui un peu. Pas. Vous laissez ça grimper. 900 gars, déjà. Mais oui, moi j'aime ça. On vous donne rendez-vous. Vous allez sur la télé-réalité. Du producteur John Cheyenne Sombo. Bientôt ça va apparaître. Ça va se casser. La télévision ivoirienne, plus de 3 mois. Alors j'invite tous les Ivoiriens, tous les Africains, tout le monde entier à suivre cette télé-réalité parce que ça sera du lourd. Ça sera du lourd. On est ensemble. Je voulais dire quelque chose. Voilà. Je voulais remercier tout le monde. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo tout récemment où j'ai dit que annulé. En réalité, pendant que je faisais la vidéo, j'étais en route. Je suis à Paris, je suis au Château Rouge en ce moment pour l'émission. Je serai là pendant une semaine. Je voulais dire à tout le monde, c'est la famille. Vous voyez. Généralement, les gens pensent que c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas la guerre. C'est ce qu'on appelle le game. If you don't know how to play, shut up. Si tu ne sais pas comment jouer, tais-toi. Voilà. Dans le game, il n'y a pas d'animosité. Leslie, c'est ma petite soeur. Lui, c'est mon frère. Tranquille. Mon frère. Ça, c'est la famille. Tout cela, c'est la Côte d'Ivoire est représentée. Vous comprenez, non? Donc, souvent, vous qui aimez commenter les vidéos des gens, mettez un peu d'eau dans vos vins. Parce que ce n'est pas la guerre. Les Ivoiriens ne font pas la guerre. La guerre, c'est terrible. Vous comprenez, non? Voilà. Nous voulons la paix et nous sommes là. Nous appelons bien et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. En tout cas, à la suite de la légende Bobli, comme je le disais, tout engagé pour cette paix-là. Personne ne va empoisonner son ami. Voilà, il n'y a pas d'empoisonnement sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Nous sommes tous des fils et des filles d'un même pays. Et je pense que l'acte peut être posé là. Le ministère de la réconciliation de notre pays doit rentrer en contact avec les organisateurs de ce dossier-là parce que ça nous permet de rentrer en contact avec la police pour pouvoir financer ces jeunes projets
pour rassembler. Et si nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes rassemblés, je pense que ce que nous sommes en train de faire va dépendre sur la population et qu'on va essayer d'être vecteur de réconciliation pour notre pays. En tout cas, nous allons merci à tout le monde. Alors, mondial. Bonjour. La pluie est en train de nous déranger là. La pluie, c'est certainement ça. Voilà, alors, j'espère que vous allez bien, c'est les sujets qui parlent. Avant, les films d'appui. Non, c'est bon. Il lui met mes pieds. J'essaie de me prendre. La pluie, c'est ça, c'est cassé. Eric, sexy, envoyé. C'est qu'il y a un bon film. À cause de moi, regardez comment elle est sapée. Je pense qu'elle va me faire bander. Bisous et puis voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à tous mes frères. Voilà, nous sommes venus vous retrouver dans une bonne ambiance. Oui. Vraiment, comme l'a dit DJ Zay, dans la vie, c'est que le producteur s'appelle monsieur John Chahin. Tous mes respects, très chers frères. Réunis, n'est-ce pas, toutes les entités dans une même fêtière, les comportements différents, attitudes différentes, vraiment, belligérance et tout ça, dans une même bulle, c'est ce qu'on appelle, il faut oser. Vraiment, il a osé, il faut vraiment le saluer. C'est ce qu'on appelle une dynamique, n'est-ce pas, à propulser, une dynamique, n'est-ce pas, à accompagner. On sait sur la toile combien de fois certains, n'est-ce pas, sont dans les classes, n'est-ce pas, en un point fini. Mais n'oubliez pas, dans ces classes-là, quand on se retrouve, nous sommes des Ivoiriens. Et nous sommes des Ivoiriens, on ne peut jamais, n'est-ce pas, rejeter de ça son frère, ni sa sœur. C'est voilà pourquoi on est ici ensemble, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de l'unité, au nom du rassemblement, au nom de la réconciliation également. Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en guerre. C'est nous clair. Sommes tous des fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Quand on se trouve partout, on parle d'une seule voix, avec un seul drapeau, une seule nation, unité, oui, réconciliation, vivre ensemble et entendre. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rico. Merci. Rico. Merci. Rico. Merci. Alors, mesdames et messieurs. On passe ici. Alors, madame, je suis très content d'être là. Je suis politique. Vous voyez, on a des gens people ici. On a Leslie. Il a me positionné encore. Plus nécessaire. Bob Lee, il était politique avec nous. Il nous a abandonné. Ils ont volé Bob Lee. Là, ils sont en train de voler Dosso. Mais on a gardé sous les paris toujours politique. Moi, Baba Nicolo, toujours politique. C'est ce qu'on veut dire. Il faut que les joueurs comprennent. Derrière nos caméras, nous avons une autre vie. Ouais. Et cette vie, c'est celle que vous voyez aujourd'hui. Lui, les États-Unis est venu. Moi, je n'aime pas Ouattara. Que j'aime Ouattara, ça ne concerne pas ce que nous faisons. Donc, camarades, prenez cet exemple. Et puis, attendez la série qui arrive. Bon, merci. Les merci élus, beaucoup. Les élus acteurs. Merci. Je ne veux pas. John Chahin, on est ensemble. Ciao, ciao. Allez, merci, les gars. On est ensemble. Pendant une semaine, connectez-vous. Ça sera la télé-réalité du moment. Je vous dis, les absents auront tort. Parce que John Chahin Sambo a mis le paquet. C'est tout. Il a mis le paquet. C'est tout. Demain, nous allons rentrer au château. Au château sur des tapis rouges. Des tapis de stars. Allez, merci à John Chahin. Alléluia. Maman, maman, c'est en direct. Alors, je suis avec un Dida. J'ai attrapé un Dida. Il est foutu. Ce Dida là, il voulait fuir. Belle rouge, Guérin, je l'ai attrapé. Je suis ton chef. C'est mon chef. Je suis ton chef aussi. Attendez. Vous voulez quoi finalement? On est venu au stade, vous ne voulez pas. Vous êtes rebelle ou quoi? J'ai rigolé. J'étais à la station. Je mets le haut par là. Je suis mangé là. C'est là. Non. Moi ça me va, moi ma perruque soit. On va sur les champs, non? On va sur les champs, on va manger, on va couper. On va... C'est pas toute l'équipe. Les filles soient pas trop collées. Il y a fait tomber tout à haut. Si, il dit on part dans le magasin plus. Hein. Donc, là, ton magasin, il y en a qui sont déjà. Bon, moi je suis déchargé. Pour rentrer, pour rentrer. Il pleut grave. Vas-y, Coro, Bana. Attends, coupez mon direct.